C'est parti, on continue avec du Hadoop Trio. Donc Hadoop Trio là sur les TI 5000. Tu sens une grosse cohérence des registres sur la TI 5000, mais la S412P n'en démord pas et elle reproduit vraiment bien les musiques de ce style, hein. Franchement, je suis agréablement surpris par ces enceintes-là aussi parce que finalement, je les trouve pas. Il y en a, ils vont les cataloguer de rock, tout ça, mais je les trouve plutôt dans le côté obscur de la force, du côté audiophile, hein. C'est S412P vraiment. Elle se démerde bien, elle se démerde bien. Et encore, je suis content parce que l'acoustique que j'ai, elle est quand même largement meilleure que ce que j'ai pu avoir avant avec dans le salon, le carrelage. Je sais pas si vous vous rappelez des autres comparatifs que j'ai pu faire, mais là, du coup, là, on a plus cette résonance qui venait un peu gâcher l'écoute. Enfin, surtout en vidéo. Moi, après, en réel, c'était déjà bien, mais là, je ressens vraiment un gain au niveau de ma pièce d'écoute. Après, même si c'est vrai que ça n'allait pas égaliser partout. J'ai quand même des enceintes qui sont à l'intérieur de la pièce qui font que ça peut un peu faire de la nuisance, mais voilà, globalement, je trouve que c'est très bon au niveau du son qui en ressort et on peut vraiment bien détailler un peu chaque enceinte ce qu'il en ressort. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de faire une petite écoute là sur le Audio Research maintenant, le LS2B que je vous montrerai en vidéo.